Après quelques années de tranquillité et la cruelle remontée en puissance de l'Allemagne depuis la prise de pouvoir d'Hitler le 30 janvier 1933, l'Europe connaîtra un nouvel élan de terreur. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes entrent en Pologne. Alliées à cette dernière, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne 2 jours plus tard, le 3 septembre. La mobilisation générale décrétée le 1er septembre a été rendue effective le 2. Cette déclaration est suivie d'une période de 9 mois baptisée « la drôle de guerre », du fait que personne ne s'attaque directement. Les hommes de Blin quittent peu à peu leur ville pour le front. Entre 1939 et 1945, le château de Blin sera successivement occupé par les Alliés et les nazis. Dès le 1er septembre 1939, les premiers Anglais s'installent dans le château comme ils le font ailleurs en France. Cela leur permet d'anticiper et de s'installer pour réunir des troupes. Loin de leur famille, les soldats s'appliquent à étudier tous les points stratégiques de leur secteur. Les officiers ont la lourde tâche de préserver au mieux leurs hommes loin de chez eux tout en les préparant à devoir prendre les armes à chaque instant. Les Allemands attaquent le 10 mai 1940 la Belgique et la Hollande. Ils traversent les Ardennes, jugées infranchissables et donc non protégées par la ligne Maginot. Ils passent la frontière française dès le 13 mai en perçant les lignes à Sedan. Paris est occupé le 14 juin. Les troupes allemandes reçoivent alors l'ordre de prendre plus vite les grands ports français sur l'Atlantique. Cette manœuvre doit leur permettre de couper leur voie de retraite aux troupes du corps expéditionnaire britannique qui n'ont pas pu s'échapper à Dunkerque. L'avancée allemande est très rapide. Dès le 15 juin, les Anglais quittent tous leurs postes dans la région, dont le château. Sans perdre de temps, ils ne prendront que le nécessaire afin de regagner au plus vite le port de Saint-Nazaire pour embarquer vers l'Angleterre. Ils donneront la possibilité aux civils qui souhaitent rester chez eux, malgré l'avancée allemande, de prendre le matériel resté sur place afin qu'il ne tombe pas dans les mains de l'ennemi. Avant leur fuite, ils prendront soin de détruire tous les documents à caractère stratégique, susceptibles de donner des informations primordiales aux Allemands sur la composition des corps armés et de leur matériel. Blin connaîtra la grande débâcle des civils français. De 40 000 soldats anglais ainsi que des Polonais qui se pressent pour embarquer à Saint-Nazaire avant l'arrivée des Allemands. Le choix, pour certaines familles françaises, est très difficile. Nombreux sont ceux qui ont un mari, un père, un frère, un fils parti au front pour défendre leur patrie. Beaucoup partiront vers le sud de la France, où une sœur, une tante attendent eux aussi le retour d'un soldat français. C'est pourquoi, malgré l'urgence de partir, ils s'entêtent à vouloir prendre avec eux toutes leurs affaires. Ils avaient encore l'espoir dans leur chef qui avait gagné lors de la Première Guerre mondiale la confiance des Français. Le 17 juin 1940, 18 personnes sont tuées dans le bombardement de Blin. Le Lancastria, le plus gros des bâtiments britanniques en attente dans la rade de Saint-Nazaire, est coulé par des avions allemands. Plus de 3000 soldats et civils sombrent avec lui. Le même jour, le maréchal Pétain demande l'armistice. Le lendemain, le général de Gaulle à Londres lance son célèbre appel. Les Allemands occuperont le château de Blin le 30 juin 1940. Les avant-gardes allemandes arrivent le jour même à Nantes et 3 jours plus tard à Saint-Nazaire. Certains prendront la décision de rester pour une raison honorable. Après avoir convaincu le reste de la famille de partir, ils prendront un énorme risque en étant escortés de leur courage et de leur détermination à vouloir défendre leur pays. Ils deviendront par la suite des résistants des forces françaises libres dès le 18 juin.
Les Américains n'arriveront qu'à partir du mois d'août 1944 à Blain. Il avait fallu attendre le 6 juin 1944 pour retrouver une lueur d'espoir, alors que la plus grosse opération militaire de toute l'histoire nommée Overlord sur l'autel de la Liberté s'était déroulée sur les plages de Normandie. Des milliers de vies venues de tout horizon avaient été sacrifiées sur plusieurs fronts pour combattre la tyrannie, et cela continuait encore lors de l'avancée des Alliés. Munis d'un armement lourd et déterminés à combattre les Allemands, les Américains de la 4e DB délogent les Allemands de la forêt du Gavre avec de rudes combats, les forçant à repasser sur l'autre rive du canal de Nantes à Brest et s'emparent du bourg de Blain. Après cette date, les fantassins vont construire des casemates et des lignes de défense plus solides. La guerre de position va commencer. Dans cette même période, il se formera la poche de Saint-Nazaire. C'est une zone de repli des troupes allemandes constituée au moment de la libération du département par les forces alliées. La poche de Saint-Nazaire se forme au nord de la Loire. La ligne de front suit la rive gauche de la Vilaine, puis de l'Isac, c'est-à-dire ici le canal de Nantes à Brest jusqu'au niveau de Blain situé à l'ouest du canal. Elle descend ensuite vers le sud-ouest jusqu'à Cordemay en passant entre Bouvron, Fée de Bretagne et le Temple de Bretagne. Autant dire que le secteur de Blain est totalement concerné. Les résistants des forces françaises libres et de l'intérieur auront la lourde tâche de tenir le front avec les alliés. Mais la détermination des Allemands à garder leur position est sans faille. Les Allemands avaient reçu l'ordre de leur plus haut commandement d'arrêter coûte que coûte l'avancée des alliés. Toute information relative aux stratégies militaires était les bienvenues. C'est pourquoi les arrestations successives de personnes détenant des informations étaient plus que nécessaires. Qu'est-ce que ceci? FFI finira fusillé imminemment. Notez-la, Hugo. Alors, vous êtes donc un terroriste? Je crois que vous êtes au courant. Nous avons retrouvé, grâce à mes services de renseignement, des papiers qui a priori sembleraient être faux. Cela vous dit quelque chose? En effet, je doute fort que vous vous appeliez Enola avec cette photo-là. Il manque un petit peu de barbe, je trouve. C'est pareil pour le Ausweis Papier. Quel manque de goût. Est-ce que ce portefeuille vous dit quelque chose? Nein. Regardez-le. Regarde le portefeuille! Nein. C'est dommage parce que dedans il y a plein de papiers qui ne sont pas à vous et ces personnes qui sont mentionnées à l'intérieur n'existent pas, tout simplement. Vous avez même fait un petit montage photo. C'est de très bon goût. C'est franchement très bizarre. Ça aussi, ce sera retenu contre vous. Et là encore un faux papier, au même nom. Ah, Scheiße. Quel est ton prénom, terroriste? La Marseillaise. Hans Hugo Raus. Thank you.
Les Américains n'étaient pas très loin, juste l'autre côté de l'Isaac. En attendant l'arrivée des Alliés, les résistants continuaient leur combat face aux Allemands. Tout comme l'ennemi, les Alliés avaient eux aussi besoin d'informations. L'arrivée d'un officier allemand blessé était là une bonne occasion d'être bien renseigné sur les forces en présence. Il fallait absolument le sauver. Après le passage de l'Isaac par les Américains, ils libèrent la ville où les civils les accueillent avec une immense joie. Comme le secteur défensif côtier de la poche de Saint-Nazaire s'étirait sur 50 km environ de littoral, le château est une occasion de servir pour les résistants des forces françaises libres et pour les Américains. Le château servira de poste avancé essentiel à une garnison défensive et de poste de commandement en profitant de la hauteur des tours restantes. Les soldats furent heureux de trouver enfin un repos bien mérité après les combats dans la forêt du Gavre. Les civils leur en sont très reconnaissants. Par ailleurs, la tour du sud-est qui fait 22 mètres de diamètre et qui ceinture la tour de la prison avait reçu des obus allemands lors des combats. Les soldats savaient qu'ils devaient continuer vers les autres lignes ennemies. Pour ceinturer les lignes de la poche de Saint-Nazaire et faire face aux Allemands, on trouve des éléments de la 66e division d'infanterie américaine et des bataillons des forces françaises libres. La poche sera la dernière région à être libérée le 11 mai 1945, 3 jours après la capitulation de l'Allemagne. Le joug nazi est enfin terminé grâce à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à combattre l'ennemi. Ces hommes et ces femmes continueront à reconstruire les pays meurtris par la guerre. Certains sont envoyés dans le Pacifique pour combattre les Japonais. Mais pour nous tous, même après quelques années, ils doivent rester les héros de notre liberté. Aujourd'hui, nous avons le devoir de transmettre notre passé pour vivre au mieux notre présent, afin de préserver au nom de tous ceux qui ont sacrifié leur vie cette liberté si chèrement payée. Honorons les héros qui ont sacrifié leurs rêves pour que nous puissions réaliser les nôtres. Merci à jamais.